Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien et moi je vais très bien. Et aujourd'hui, on va ouvrir des cadeaux. Et comme vous me connaissez et que vous savez que à chaque fois que je vous fais des cadeaux, c'est selon un critère spécifique, hein, c'est un peu la loi des j'ouvre vos cadeaux. Voilà. Aujourd'hui, la petite loi sera d'ouvrir les cadeaux dont le pseudo commence, enfin pas forcément commence, mais qu'il y a dans le pseudo le nombre 1, ensuite le deuxième cadeau, faut que ce soit le 2, le 3, le 3, etc. Une fois qu'on arrive au 9, on repart sur le 1 et c'est reparti. Voilà, j'espère juste que je vais pas oublier où j'en suis, hein, parce que me connaissant, il y a de fortes chances. Eh bien, écoutez, c'est parti. J'espère que vous allez vite comprendre. Donc là, bah, ça commence bien. Voilà le premier cadeau. Vu qu'il y a un 1 dedans, on va pouvoir ouvrir le cadeau. Comme d'habitude, si je me trompe ou si j'en oublie un ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc là, il y a le 2. Bien évidemment. Hein. Le mieux, c'est que vous mettiez également la time-lapse, je crois que ça se dit comme ça, dans le commentaire, pour me dire oui, à 3 minutes 15, tu t'es trompé, ou à 4 minutes 10, t'as oublié ce numéro-là ici. Voilà. Donc ensuite, si vous avez bien compris le concept, il faut qu'on trouve le prochain cadeau dont le pseudo de la personne, il y a un 3 dedans. Donc là, vu que c'est déjà ouvert, ça ne compte pas. Merci d'ailleurs à toutes les personnes pour les cadeaux. Et comme d'habitude, j'en profite de cette vidéo pour vous dire, ne m'envoyez pas de cadeaux, hein, les gens, parce que... Oh, j'ai déjà tellement, en fait, j'ai déjà tellement de cadeaux de retard à ouvrir que ce serait dommage que votre cadeau se perde, comme là, par exemple, le cadeau de licorne, hein, qui aurait pu se perdre. En tout cas, merci beaucoup, licorne, pour le petit drip. Merci beaucoup à toi. C'est très, très gentil. Alors, on était... au 3, du coup on cherche le 4. Le problème c'est que vu que je discute, je vais me tromper. Vous allez voir, c'est obligé que je me trompe à un moment donné. Donc là on est en train de chercher le chiffre 4 dans un pseudo. Ah dommage, il n'y est pas, il y a le 1, le 3 et tout, mais il n'y a pas le 4. Ah je suis déçue. Le chiffre 4. Est-ce que quelqu'un a le chiffre 4 s'il vous plaît? On se croirait à la loterie, à la recherche du chiffre 4. Mais franchement, le concept est rigolo. Ah bah voilà, ici, le concept est rigolo. Un petit peu plus compliqué que les autres concepts, mais il est rigolo. Et le 5, juste après, ici, c'est parfait. Le 5 est juste là. À chaque fois, je me répète le numéro, sinon je me trompe. Hein. Ensuite, nous recherchons le numéro 6. Ah merde, attends, viens en arrière parce que je l'ai vu. Il est là, le numéro 6. J'ai failli me rater. Hein. J'ai failli me rater. Oh, les petits yeux de manga, on va les mettre. Est-ce que ça me donne un style ou pas? Ensuite, on cherche le numéro 7. Quel dommage, pas ici. Le numéro 7, s'il vous plaît, demandez à l'accueil, s'il vous plaît, le numéro 7. Ah, il était là. Ah, je reviens en arrière. Ne vous inquiétez pas, je reviens en arrière. Il est là, Joey 2711. Juste là, hop, on va le mettre et on va pouvoir partir à la recherche du numéro 8 qui est juste là, donc c'est super. C'est parfait, une très belle coupe de Laura. Et ensuite le numéro 9. Et on aura fait le tour, hein. On l'aura fait rapidement, hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont des pseudos avec des chiffres dedans. C'est vrai que vous êtes pas mal nombreux. Et du coup, vu qu'on est arrivé jusqu'au 9, on peut recommencer à partir de 1. Mais du coup, à partir de 1, à partir du cadeau. Donc on revient pas dans les cadeaux avant, bien évidemment. Ne m'engueulez pas, hein, dans les commentaires, hein. Parce que sur la même page, il y avait le 1. Mais vu que c'était un cadeau plus ancien, ça ne compte pas. Ok, on a un 1 ici de Aileen 671. Voilà, comme ça, je serai plus à poil. Ça tombe bien. Le numéro 2, s'il vous plaît, le numéro 2. Juste ici, c'est parfait. Ah là là, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Hein. Le numéro 3. Le numéro 3, s'il vous plaît. Je me trompe pas, j'espère que je me trompe pas. Là, je ne vois pas de 3, on est d'accord. Le numéro 3, s'il vous plaît. Et demandez à l'accueil. Voilà. On a trouvé le numéro 3. Le numéro 4, s'il vous plaît. Juste là, c'est parfait de Devovo YTB. Une petite animation au téléphone sympa, en plus, l'animation. Numéro 5. Là, j'arrive pas à vous parler en même temps en faisant ce challenge, ce petit challenge entre guillemets. C'est limite un challenge, plus un challenge qu'une ouverture de cadeau, tellement c'est. Voilà, quoi, c'est compliqué. Oh, le petit ballon de ça. Du coup, le 6. Le 6, s'il vous plaît. Juste là, parfait, le 6. Ensuite, le numéro 7. On va chercher le numéro 7. Voilà, ici. Le numéro 8, s'il vous plaît, juste en dessous, c'est parfait. Et le numéro 9, ouh, ça voudra dire qu'on aura fait deux tours.
Enfin, faut d'abord qu'on trouve le 9. Ah non, attendez, je l'ai vu. Là, juste là, on est revenu en arrière, Black R93. Et on a réussi à faire deux fois les chiffres, c'est parfait. Laissez-moi respirer, laissez-moi 30, même pas 5 secondes, je respire un petit peu avant de repartir faire un nouveau tour. Hein. Par contre, les yeux là, ils sont sympas, mais du coup, on voit les yeux derrière en dessous. C'est bizarre. Qui bougent en plus et tout. Ok, le 1, il est là. On l'a. Parfait. Le numéro 2, il est là. C'est parfait. Le numéro 3... Ah, ça va vite, hein. En vrai, ça va vite. Hein. Le numéro 3, il n'y a pas. Le numéro 3, le truet. Il est où le truet, hein? Il n'y a pas. J'essaie quand même aussi d'aller un peu plus vite, hein. Sinon, c'est pas drôle, hein, si je mets 30 ans. Faut bien que je me trompe à un moment donné, sinon c'est pas drôle. D'ailleurs, peut-être que je me suis déjà trompée à ce niveau de la vidéo. Même si j'ai l'impression que pour le moment, je m'en sors plutôt pas mal. On est encore retombé sur Black Air pour le truer. Pour les truer. Alors, mon look est plutôt sympathique, vous ne trouvez pas. Le 4 juste en dessous. Parfait. Le 5, s'il vous plaît. Le 5, il est ouf. Il est là. C'est bien. Le 5. Les petites chaussettes, voilà. Ils vont très bien en plus avec la robe. On adore le look. Là, franchement, je peux aller à un gala de charité. Je passerai crème, quoi. Le 6. On est en train de chercher le 6. Ah, les gens qui ont le pseudo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bah, franchement, vous m'arrangez pour le challenge. Vous m'arrangez. Le numéro 7. Le numéro 7, je ne vois pas ici en tout cas. Ah, on revient en arrière, je l'ai vu ici. Ici. Des fois, vous avez des pseudos, je me demande comment vous faites pour les prononcer. Oui, mon pseudo, c'est... Le numéro 8. Le numéro 8, on recherche le numéro 8. Il n'est pas là, apparemment. Je trouve bébé. Par contre, il y a un pseudo, je trouve bébé. Le numéro 8. Le 8. Je gueule, mais chez moi, il est tard. Où j'arrête de gueuler. Et j'ai mon chat, il est en train de faire ses griffes. Je sais pas si vous l'entendrez dans la vidéo. Mais il est en train de clairement faire ses griffes. Ah, ici, Missadis, merci beaucoup. Ça faisait un petit moment qu'on attendait le 8. Hein. Merci, Missadis. En plus, on m'envoyait un joli petit combi citronné. C'est parfait. À la recherche du numéro 9 maintenant, et du coup on aura fait 3 tours, d'abord faut que je le trouve, le 9, parfait, ici, j'espère que tu l'ouvriras, et ben parfait, je l'ai ouvert, très belle coupe de Cali, et du coup on a fait 3 tours, je pense qu'on va retenter de faire un dernier tour, je vais peut-être même essayer d'accélérer un petit peu, comme ça, ça m'obligera peut-être à un moment donné à me tromper, on va aller très très vite, enfin du moins je le dis, ça c'est, je vais aller à 2 à l'heure, bah allez c'est parti, 3, 2, 1, go. Ok, le 1, ici. C'est parfait, c'est ouvert. On cherche le 2, s'il vous plaît, le 2. Ah, il est là. Le 2. On se croirait dans ces émissions où ils ont du temps et tout ça, les candidats, et ils doivent se dépêcher à mort et tout. Le 3, s'il vous plaît, le 3. Genre les trucs de cuisine où tu dois chercher vite les ingrédients avant que toutes les autres personnes te prennent tes ingrédients et t'es en train de réfléchir et t'as une liste de choses à prendre. Et ensuite, le 4, c'est parfait, il est là, le 4. Ouais, il y a une Billie Eilish. Il y a la Billie Eilish. Le 5, s'il vous plaît, donnez-moi le 5 rapidement, sinon je vais te perdre. Non, je reviens en arrière, j'en ai loupé un. Il est juste là, le 5. Le numéro 5, le numéro 6, s'il vous plaît. Le numéro 6, vite. Et j'ai pas le temps de profiter du cadeau, je suis obligée d'aller vite. Le 7, mais très beau cadeau, le 7, s'il vous plaît. Il n'y avait pas de 7 ici. Non, le 7, vite. Le 7. Le 7, il est là, le 7, parfait. Le 7, le 8. Oh non, après, il y a le 9, mais il n'y a pas le 8. Le 8, s'il vous plaît, rapidement. Le 8, vite, 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 vite. Le 8. Non, il n'y a pas de 8. Oh non, il n'y a pas de 8. Oh non, j'allais tellement bien en plus, là. J'étais tellement rapide et tout. Il n'y a pas de 8. Si, on va y arriver, les gars, on va y arriver. Je sens que là, il y a le 8, il est là, le 8. Et ensuite, le 9, il est juste à côté, c'est parfait, le 9, il est juste là. Ouf, waouh, ouf, oh, je pense qu'on peut s'applaudir. Je pense que le dernier tour, là, ça a été le plus rapide de tous, du coup, en tout, je crois qu'on a fait 4 tours, carrément. Et à la fin, notre look est, bon, on va dire, il est...
il est sympa ce look, non? Vous ne trouvez pas, je pourrais sortir comme ça, ou vous... Ça, c'est vraiment un outfit of the day, you can wear when you go to the school. Non, pas du tout, c'est pas vrai, ne mettez pas ça pour aller à l'école, c'est horrible. C'est horrible, le look est horrible. Individuellement, peut-être que ce serait beau, hein, les affaires, mais là, le tout ensemble, sur le même visage, c'est pas possible, c'est pas possible. Déjà, en plus, j'ai encore le truc d'Halloween, là, faudrait peut-être que je pense à l'enlever. Voilà, mais en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, et comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, comme je vous ai dit, si je me suis trompée, etc. Mais également, si vous le souhaitez, me donner de nouvelles idées pour de nouveaux concepts de j'ouvre vos cadeaux, hein, des petits critères, etc. pour ajouter un petit peu de challenge à une simple vidéo j'ouvre les cadeaux. Voilà, j'espère quand même que la vidéo vous aura plu. Moi sur ce, je vous laisse, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous à vous, ciao ciao.